Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite story time. Chaque story time, on parle de Dieu. Je vais te parler des trucs de Jab, mais je me suis dit non. Là, aujourd'hui, on se calme. On parle pas des trucs de Jab, on parle de Dieu. Bon. Le message va être simple, mes frères et sœurs. J'ai entendu Dieu me parler, mes frères et sœurs. Voilà le message que je voulais faire passer. J'ai entendu Dieu. Ça, mes frères et sœurs, c'est un truc qui peut choquer, mais moi je l'entends. Vous l'entendez pas. Je sais que vous l'entendez pas, mes frères et sœurs, mais moi je l'entends. Donc le message, en fait, ça va être simple. Ça va être, en fait, Dieu, il doit être au-dessus de tout, parce que tout simplement, pourquoi tu vas travailler tous les jours, mais tu vas pas voir Dieu? Pourquoi tu vas voir ta femme tous les jours, mais tu vas pas voir Dieu? Pourquoi tu vas voir des putes, des salopes tous les jours, mais tu vas pas voir Dieu? Pourquoi tu es sur Instagram tous les jours, mais tu vas pas voir Dieu? Pourquoi tu vas au travail tous les jours pour gagner des euros, mais tu vas pas voir Dieu? Parce que tout simplement, le message, il est simple. En fait, le message, il est simple. Moi, j'ai dit que Dieu, je l'entends. Certains vont l'entendre, certains ne vont pas l'entendre. Parce que tout simplement, tu entends le diable. C'est tout, c'est simple. Parce que tu entends le shaitan. Parce que quand tu vas voir ta meuf tous les jours pour aller baiser avec elle, c'est parce que c'est le diable qui t'a dit d'aller faire des trucs avec elle. Quand tu entends, quand tu te dis, oh putain, je vais aller travailler, tout ça et tout, je vais aller travailler, mais tu vas pas avoir Dieu. Mais tu vas aller travailler par contre, tu vois, je veux dire ou quoi? Tu vas aller travailler, mais tu vas pas avoir Dieu. C'est-à-dire, tu vas pas aller à la mosquée ou tu vas pas aller à l'église. Mais tu vas aller travailler, tu vois, je veux dire ou quoi? Donc ça, c'est le shaitan qui te dit, va gagner de l'argent, mais va pas voir Dieu. Donc tu as entendu le shaitan, tu comprends ou pas? Tu l'as entendu, il t'a dit, non, va pas là-bas, mais va là-bas. Tu comprends ou pas? Vous comprenez ou pas le message que je vais vous faire passer? Donc le message, il est simple en fait. Il y a des gens, mes frères et sœurs, même moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te lèves le matin, mes frères et sœurs, tu te dis, ah, aujourd'hui, je vais l'appeler mes potes. Le lendemain, tu vas appeler encore tes potes. Le lendemain, tu vas encore appeler tes potes. Mais tu vas jamais voir Dieu, en fait. Tu vas jamais le voir. Après, tu dis, oh putain, ma vie, elle tourne au scandale. J'ai fait un accident de voiture. J'ai des problèmes de loyer. J'ai des problèmes de ci. J'ai des problèmes de cela. Frérot, si t'entends le diable, cousin, le diable, il parle aux gens. C'est ça que les gens savent pas. Le diable, les chiatines, pour les musulmans, ils savent de quoi je parle. Les chiatines, ils parlent. La tête à ma grand-mère, ils parlent. Quand je vous dis, ils parlent, c'est. Je sais pas, moi, par exemple, t'es là, t'es posé au calme. Et tout d'un coup, je sais pas, t'as une envie de je sais pas, t'as une envie d'aller voler au magasin. Chiatine qui t'a parlé, mon ami. Le chiatine, il parle. Comprenez, il parle. On sait tous que voilà, dès le début, il a parlé à Ève. Il lui a dit, vas-y, mange la pomme. Alors que tu lui avais dit de pas manger, il lui a dit, mange. Après, elle a mangé, elle a donné à Adam, ils ont mangé ensemble. Vous comprenez? Donc le diable, il continue à parler aux hommes. Mais les gens ne comprennent pas. Mais il faut savoir que Dieu aussi, il parle. Là, je suis en train de vous dire des choses. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, mais je sais que c'est Dieu qui m'a dit de venir vous dire ça. Vous comprenez ou pas? C'est pas moi. C'est plus fort que moi. Je me suis dit, je vais venir parler de Dieu. Parce qu'on parle trop de trucs de YouTube, de Internet et tout ça. Ça m'amuse, mes frères et sœurs, de parler de l'Internet et tout ça. Mais nous, on a envie d'expérimenter les vraies choses, les choses célestes, vous comprenez? On a envie d'expérimenter les choses de Dieu. On a envie d'expérimenter les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Nous, on préfère prier qu'aller voir notre femme. Nous, on préfère prier que d'aller voir nos enfants. Nous, on préfère prier que d'aller voir les amis. Vous comprenez ou pas? Mais vous préférez, mes frères et sœurs, autre chose. Comme moi, parfois aussi. Regardez, demain, je vais encore parler de rap ou je sais pas quoi. Parce que le shaitan, il parle, mes frères et sœurs. Mais les gens, ils comprennent pas. Il nous parle, mes frères et sœurs. Il nous parle tous les jours, every day. Every day, mes frères et sœurs. Donc, la story time que je voulais vous faire passer, elle est simple. Si tu veux entendre la voix de Dieu, va vers lui. Si tu vas pas vers lui, tu vas entendre le diable te parler, mon frère. Tu vas l'entendre te parler tous les jours. Il va te dire, vas-y, fume. Vas-y, bois. Comme ça, tu vas oublier soudainement tes problèmes. Tu vas croire que t'es bien, mais après, tu vas recommencer à. Dès que tu vas plus être sous, tu vas recommencer à boire pour oublier que t'es pas bien. Mais le lendemain, tu recommences. Bah, maladie, cirrhose du froid, tu meurs. Jab, t'as tué. Tu vois, je veux dire ou quoi? Mais si tu suis les vraies choses de Dieu, ces conneries-là, t'arriveras pas. Ces conneries-là, t'arriveront pas. Donc, le message que je voulais faire passer, il est simple. Dieu, il parle aux hommes, la tête à ma grand-mère, je vous jure devant Dieu, il peut te parler, mon ami, il peut te dire quelque chose, tu vas l'entendre, voilà. Il peut te faire en sorte que, je sais pas,
t'empêcher d'avoir un problème, t'empêcher d'avoir une dinguerie. Il peut te parler, il peut te protéger, tu vois, je veux dire ou quoi, mais le diable, il va t'enfoncer, tu vois. Il va te dire, vas-y, vas-y, continue à être sur Instagram, vas-y. Continue à être sur Instagram, continue à parler avec tes potes, continue à partager, continue à faire ceci, continue à faire cela, continue à aller mentir, continue à aller voler, continue à ceci et cela. Moi, je vous parle de ça, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, hein. Moi, je suis l'un des plus grands voleurs. Je suis rentré dans des magasins, mes frères et sœurs, la tête à ma grand-mère avec. Je suis arrivé comme un chien de la casse. Tu vois, je veux dire ou quoi, je suis sorti avec des valises de trucs de fou. Je rentre dans un magasin, je suis avec un pull, je suis avec un t-shirt, je suis avec une casquette, je suis avec des baskets, je suis avec des joggings. J'ai mis des trucs sur moi, je sors. Ça m'est déjà arrivé, mes frères et sœurs, vous comprenez? Je suis l'un des plus grands voleurs. Pourquoi? Parce que le diable, il m'a parlé. J'ai de l'argent, mais il m'a dit non, va voler. Va voler comme ça, tu vois, tu lui donnes des points, et puis après, voilà, tes prières, ils font que voilà, ça marchera pas. Parce que le péché, sachez-le, hein, le péché, c'est ça qui fait que Dieu ne te regarde pas. Il va pas regarder un violeur, vous comprenez? C'est quelqu'un qui va violer une fille. Dieu va pas le regarder. Il va pas regarder un mec qui va violer. Il va pas regarder un mec qui fait que de mentir. Il va pas regarder un mec qui fait que de se droguer, vous comprenez? Mais il va regarder un mec qui prie. Comme les histoires que je vous ai racontées, Moïse, Elkana, Samuel, tous les gens du livre, vous comprenez? Mohamed, Suleiman, Daoud, vous comprenez? Eux, c'était pas des gens qui faisaient de la merde, vous comprenez? Mais nous, on fait de la merde. Donc parfois, je suis obligé de vous parler des choses célestes. Et voilà le message que je voulais vous dire. Dieu, il parle. La tête à ma grand-mère, il parle. Et le diable, il parle aussi. À toi d'essayer d'entendre la bonne voix, mes frères et sœurs. Voilà le message que je voulais faire passer.